Je sais pas pourquoi j'ai proposé de venir ici. C'est Joy qui l'a recommandé. Au moins, on est ensemble. T'es tellement occupée. Non, toi, t'es occupée. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. S'il faut que j'accorde une autre entrevue, là. Ça doit être dur. Je veux dire, d'avoir autant de succès. C'est juste que je suis tannée d'être admirée tout le temps. Puis les hommes, ils sont tous beaux, des esprits créatifs, le sexe est génial, la totale. Mais c'est vide. Tu sais ce que je veux dire? Je sens pas qu'il y a personne qui est honnête avec moi. Je sens pas qu'il y a personne qui me veut pour qui je suis. C'est pas la famille. Oh, Trish. Si seulement j'avais ton mari, les enfants, le covoiturage. Allô? Je voulais juste... J'ai besoin que... Je voulais juste que vous... T'as besoin que je fasse quoi? Je voulais juste pas que vous oubliez de réviser le dossier Lynch pour demain. J'ai pas oublié. C'est bien. Merci, Ellie. Bonsoir. It's me. You're living with her, aren't you? You've moved in together. Don't lie to me, Jack. You are. Because I know. Because I do. Yes, I heard. It's been 3 fucking weeks. How did you meet someone so fast? Oh, bullshit. You had to have known her before. Bullshit! Don't give me that shit! Oh, you're in love. So fast? I don't fucking believe it. You were seeing whoever it is all along. Of course I expected things to happen, but not so fast. Are you that sure? Oh God, it's just fucking dishonest bullshit. Bullshit! It's Gail. She's been after you since she joined your office. You both like sports. Don't lie to me, Jack. She's your type. She's bright and all that bullshit. I just didn't realize you were having an affair. Oh, that's bullshit. I don't buy a fucking word of it!